continues à te battre contre tous ceux qui apprennent le combat du serpent? Pourquoi tuer ces personnes? Bientôt, il n'en restera plus. Maître Chung, plusieurs formes de combat ne peuvent coexister. Alors le serpent doit être tué par l'aigle. Je suis leur maître et je représente ainsi tous les serpents. Je suis venu pour me battre. Tu sais très bien, Chung, que si nous combattons tous les deux, tu ne vas certainement pas gagner. J'ai trop de respect pour mes ancêtres. Et je dois livrer ce combat. Si je devais mourir, un autre prendrait ma place. Il perpétuerait le combat du serpent. Je le sais, il n'y en a plus beaucoup. Pourtant, il y a ce vieillard. Est-il encore en vie? Oui, oui. Tant qu'un homme comme Pai pourra le défendre, le combat du serpent vivra. Alors nous serons les plus forts. Ce sera toi le premier et ensuite Pai. Sale bête, voulez-vous foutre le camp? Pas gêné. Et doucement, n'ayez pas peur, je vous paierai. Pourquoi le croire sur parole? Je veux l'argent. Mais attendez. L'argent. Allez, fous-le. Ça me chatouille. Bah, oui. Et il n'a rien. Alors regardons toutes ses affaires. Et surtout ne touchez pas ça. Attention alors! Attrapez-le! Ne les laissez pas s'enfuir! Attention! On s'y va! Fais gaffe! Tu vas cracher mon vol! Ah!
regarde mes pieds de plaie. Suffit. Tu ne reviendras plus te battre avec moi. Un couteau pour me tuer? Mais dis donc. Mille pardons. Reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Ce vieillard nous a frappés et nous a fait peur avec son serpent. Hein? Quoi? Tu veux des coups, peut-être? Oh non, maintenant, non, maintenant! Tu ne fais que des bêtises! Tu le fais exprès! Oh, pardon, mais pardon, non, 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 ne me battez pas, je vais vous essuyer tout de suite! Bon, à rien! Oh, pitié, maître! Oh, tu vas payer! Pour toi, ça t'apprendra. Vermine. C'est parfait. Alors essayez tous de conserver la même forme. Car je vais vous apprendre... Oui, le combat du dragon. Avec cette méthode, vous pouvez facilement battre 10 hommes. Infirme. Écoutez, vous paierez vos leçons à l'avance. Eh bien, avant la leçon, Maître Tao et moi-même, on va faire un essai. Super.
Silence ! La ferme ! Mais pourquoi ris-tu, imbécile ? Silence ! Allez, au boulot ! Finn, viens ici. Qu'est-ce qui vous fait en rire ? C'est moi, peut-être. Ça suffit comme ça ! Bon, imbécile, bouclez-la ! Bien. Les choses importantes sont les suivantes. Puissance, vitesse, force... Et voilà. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la griffe du dragon. Hop, hop. Tu es prêt? Hé! À présent, son estomac n'est plus protégé. Très bien pigé. Ah, ah. La prise suivante est le tigre frappant sa proie. Yeah! Ton bras! Le bras droit! Mais pas le gauche! Yeah! Son corps! Toi, tu pourrais pas être moins bête? C'est beau, n'est-ce pas? Maintenant, souvenez-vous de ce que vous avez appris. Vous allez devenir des champions! Continuez la leçon! Allez, au travail! Ça va, Soon? Une fois de plus, tu as servi de cobaye. Tu veux bien que j'essaie de te soigner? Non, c'est pas la peine! Je vais me reposer un peu ici. Mon fils veut apprendre le kung-fu. Voulez-vous avoir... Oui, si, c'est du tout, Jasmine. Ah, dites donc, quel homme d'affaires. J'ai appris que vous aviez tellement de propriétés. Magistrat, pour vous, quel bonheur. Quand je vois votre fils, il me rappelle un petit porc bien enrobé. Il sent la fortune. Il ne va pas faire de vieux os s'il ne pratique pas de sport pour être en forme. Mais nous pouvons surveiller ça de près, croyez-moi. Ah, bien pensé, vous avez raison. Donc vous avez deviné pourquoi nous sommes venus aujourd'hui vous voir. C'est pour que mon fils apprenne le kung-fu. Ah, vous avez frappé à la bonne porte. Vous savez, magistrat, il y a tellement d'écoles différentes. Nous sommes les meilleurs. L'apprentissage du kung-fu est ardu, mais ici, on prépare très bien les exercices. C'est vrai, ça? Oui, je vous l'éprouve. Hein? Et si vous voulez des preuves, regardez dehors. Oui. Oui. Ah. Oui. J'ai vu des gars qui cassaient des briques à la main. Hein. Fantastique. Et est-ce que vos gars peuvent en faire autant? C'est une question d'entraînement. L'eau, viens vite. Est-ce que tu peux prouver au jeune maître que tu sais casser les briques? Bien, maître. Regardez. Et attendez. Et vous pourriez le faire? D'accord, pourquoi pas. C'est possible. Ah, magnifique, extraordinaire. Sans problème. Hé, hey, papa. Impressionnant. Nous sommes émous. Thank you.
d'exceptionnel, juste de l'entraînement. Vous savez, cet homme est notre champion, alors ce n'est pas difficile. Moi, est-ce que je pourrais le faire? Pourquoi pas? Dis-moi, mon fils, est-ce que ça te plairait d'apprendre? Oh oui, papa, oh oui, et surtout je veux apprendre dans cette école. Entendu, il peut commencer demain sans problème. Quel grand honneur. À demain, il faut saluer notre champion. L'eau vient immédiatement. Oui, j'arrive. Magistrat, soyez sans crainte, je compte sur vous. Au revoir, au revoir, félicitations. Oh, je lui ai fait une simple poignée de main et il a mal. Plus question de rester là, hein, papa. J'aimerais mieux apprendre à l'autre école. Mais comment tu voudras, mon fils? Attendez, attendez, venez vite. Magistrat, magistrat, attendez une minute, revenez. Oh. Allez, rentrez. Ah, voilà pourquoi j'ai eu la poisse. À cause de ce maudit mendiant devant chez moi. Battez-le! Ah, espèce de sale mendiant, dégarpez en vitesse. Mais j'ai rien fait de mal. Arrêtez! Dites-moi, pour quelle raison le frappez-vous? De quoi il se mêle, celui-là? Jamais vu? Quoi? Il fait partie de l'autre école? Oh, ça, par exemple. Vite, battez-le! Ça va bien? Notre seigneur bien-aimé n'a-t-il pas dit si on te frappe sur la joue droite, tends la gauche? Mon œil, j'ai besoin de peur. Ah, tu as osé me frapper. Dieu ait pitié de son âme. C'est juste à côté. Il t'a fait mal? Non, mais c'est rien, j'ai l'habitude. Comment? Et voilà, c'est l'école où je travaille, la porte de derrière. Venez avec moi, je vous offre le thé. Allez, venez, venez. Ça, c'est la cour de l'école. Alors, c'est très calme, il y a peu d'élèves en ce moment. Mais j'habite là-dedans. Salut le chat. Mon copain le chat. On s'aime bien tous les deux, pas vrai? Dis bonjour à Paille. Ah, il est très poli. Hein? Assieds-toi. Tiens, Paille. Allez, bois. Dis-moi, ben, tu vois pas? Ben, c'est brûlant pour moi. Impossible d'avaler un truc pareil. Oh, pourquoi pas l'avoir dit plus tôt? Comment ça
Comment te portes-tu? Très, très bien. Écoute-moi, c'est lui le cuisinier de l'école et je te prie de me croire, la bouffe est de première. Merci, tu mens très mal. C'est un copain? C'est un cousin. Nous deux, on meurt de faim. Tu sais bien qu'il y a ce qu'il faut à la cuisine. Débrouillez-vous. Il faut que je m'occupe des invités. Vous pensez peut-être que je plaisante. Je vous assure que nous avons le meilleur professeur de toutes les écoles de Kung Fu. C'est fou ce que les élèves progressent rapidement. Nous allons en faire des champions. Mon fils doit pouvoir devenir un champion. Dites-moi, Kao. Vous savez sûrement que dans l'autre école, ils ont participé à plusieurs concours. Et dans la vôtre? Ah, ça prouve quoi, mon cher? Car n'importe qui peut s'inscrire. Mon champion y a été invité. Il a même battu le juge. Ah, pour battre le juge, c'était un fameux champion. J'aimerais bien le rencontrer, ce jeune homme. Oh, c'est vraiment le meilleur. Combien de briques est-ce qu'il a cassé? Pardon? Oh, ici, nous ne sommes pas au cirque. Nous enseignons le véritable kung-fu. Vous savez, vous pourriez facilement faire partie des nôtres. Vous paraissez tellement fort. Si vous restez, vous deviendrez certainement un grand expert. Vous le pensez vraiment? Naturellement. Hé hey, toi là-bas, va trouver oui. Sun et dis-lui de venir me voir tout de suite. Entendu. Mais prenez du thé. Tu connais mon nom, mais quel est le tien? Bien, je m'appelle Sun. Tu as de la famille? Non, je suis orphelin. Le maître s'occupe de moi. Ils disent que je suis un peu timbré et ils se moquent de moi tout le temps. Je fais toutes les corvées. Et toi, tu peux me dire ce que tu fais? Moi? Sun! Le maître veut te voir. Paul, écoute-moi, j'en ai pas pour de temps en temps. Alors attends-moi. À plus tard. Ce garçon n'est ici que depuis un mois et son kung-fu est déjà excellent. Le gars que j'ai fait venir, il est vraiment très fort. Ah. Écoute, Sun, toi et Kim San, vous pourriez nous faire une petite démonstration. N'essaie pas de résister, compris? Est-ce que tu es prêt? Allez-y! C'est parti? Oui! Bravo! Vive Kinshan! Voudrais-tu me battre devant le maître? T'as pas compris ce qu'il a demandé, hein? Ça suffit. Laisse tomber. Lève-toi. Et ne joue pas au fainéant. Mets au boulot. Hé, hey, papa, moi ça me plaît beaucoup, Yusha. Je veux rester dans cette école. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien. Tiens, on dirait pourtant que tu as été battu. Non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Oh, Pai, pardonne-lui. Ce garçon est le bouc émissaire du maître. Son bouc émissaire?
c'est pas juste. Pourquoi doit-il payer alors qu'il ne fait rien de mal? Est-ce que tu pourrais attraper ce joli bol? Je ne crois pas que tu en sois capable. Salut, chat. Tourne, pivote, utilise les deux mains et les deux jambes afin de devenir agile. Léger comme l'air, souple comme un roseau, tu seras comme la branche qui se plie sous le vent. Hey ! Tourne, pivote. Alors je me demande où il veut en venir. Pivote. Défendre. Moi, je vais essayer.
s'il vous plaît, la charité, messieurs, dames. Je vous en supplie, ouvrez-moi. Je suis l'envoyé de Dieu. Si vous m'ouvrez, vous serez sauvés, car vous serez lavés de tous vos péchés. La charité pour un pauvre mendiant. Non, ça suffit, je ne veux plus vous entendre. Allez-vous-en tout de suite, parce qu'ici, c'est pas un moulin. Quelle salope, cette bonne femme. Enfin. Je suis votre servante. Que voulez-vous de moi, pécheresse, mon père? Mais vous serez purifiée si vous croyez en Jésus-Christ qui est notre sauveur. Oh, vous êtes le diable, hein? Vous osez me traiter de pécheresse arrière, Satan! Mais Jésus veut faire de toi son enfant. À mon âge, un enfant! Attends. Oh! 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 Démon! N'en reviens jamais! Oh, merci, madame. Vous êtes si généreuse. Jésus-Christ a dit, celui qui croit en moi sera sauvé. Vous êtes tous des pécheurs, mes frères, mais le Fils de Dieu, dans son infinie bonté, vous pardonne. Ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Ah, vous êtes matinale, vous, moi. Ah, madame, est-ce que vous croyez en Dieu? Sans foi, l'homme est dans les ténèbres et ne connaît ni la lumière, ni la joie. Oh, la joie. Entrez, entrez vite. Ici, vous aurez la joie. Venez. Oh. Venez, monsieur, venez. Les filles, oh. Occupez-vous de lui. Oh. Non, 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 je ne peux pas. Non, non, laissez-moi. N'ayez pas peur, je ne peux pas entrer. Non. C'est pareil. Il y a quelqu'un? Hé, hey, toi, là-bas! Tu files en douce? N'es-tu pas à la recherche de Chang King? Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis un pauvre mendiant. Alors tu es un vulgaire mendiant. C'est ce que nous allons voir, vieil homme. Tu te moques de moi, hein? Paille, c'est toi, hein? Bonjour, ça va bien? Oh,
Bonjour. Asseyez-vous donc. Et pour mon fils, comment cela va? Oh, c'est excellent. Il est doué. Il a fait d'énormes progrès très rapidement. Ah, bonne position, ses pieds, ses poings, ses mains. Croyez-moi, ce jeune garçon va devenir un fameux champion. Vraiment? Tu te bats avec les autres élèves, mon fils? Oh non, pas encore. Tu veux te battre? Je peux arranger ça. Soon! Soon, viens ici. J'arrive. Soon, tu vas te battre contre le jeune maître. Écoute-moi bien. C'est lui qui gagne. Pigé? Jeune maître, ne le frappez pas trop fort, pas de violence. Allez-y. Oui. Bravo! Bravo! Vous avez vu votre fils, quelle classe! Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Réponds-moi!
tombé dans un piège. Bye. Non, tu vas venir avec moi à l'école. Soon, pas là. Petit, personne ne doit savoir. Bye. Bye. Bienvenue. Chang King habite ici. Dis-moi, depuis combien de temps a-t-il quitté la région? Un mois. Pai est blessé, va peut-être mourir. Je me demande où il peut bien se cacher. Où est Chang King? Voilà la question. Proverbe, qu'est-ce que ça signifie? L'homme que tu cherches t'attend dans le ciel. Oh, bonjour. Eh bien, Pai, ça va? Tu te sens mieux? Ça va beaucoup mieux, merci, Sun. Ah ben, j'en suis heureux. Alors, tu étais tellement mal en point. Ah, il faut encore en prendre. Bois tout. Tu en as bien besoin. Mon garçon, tu m'as sauvé la vie. Oh, bah c'est bien normal. Après tout, on est amis, n'est-ce pas? Vous avez fait beaucoup pour moi. Vous m'avez appris à me défendre, c'est vrai? Mais en pratique. Une seule fois. Mais j'ai fait une grosse bêtise. Le maître était furieux. Oh. Écoute, tu voudrais apprendre à te battre? Bien sûr que oui. Je voudrais devenir beaucoup plus fort. Bon, d'accord. Mais tu vas me promettre trois choses tout d'abord. Alors je te promets, Pai, puisque c'est ta volonté. Premièrement, je ne veux pas que tu m'appelles maître. Pourquoi? Nous sommes amis, pas vrai? Deuxièmement, ne montre pas que tu connais bien le kung-fu, sauf en cas de besoin. Entendu. La dernière? Troisièmement, si tu me vois me battre contre un individu, pas question que tu t'en mêles. Ah, je ne peux pas promettre ça. Si vous avez besoin de moi, comment pourrais-je vous laisser, hein? Soon, tu promets? Bah, c'est promis, pareil. Qu'est-ce que je dois apprendre? Le serpent.
Le chat. Tu as faim? Qu'est-ce que tu as? C'est parce que ton maître est parti que tu es malheureux? Ah, t'en fais pas pour ça. Je m'occuperai de toi. Mange, voyou. Tu vas avoir des ennuis. Oh, maître, j'en ai marre de me faire traiter comme un chien. Arrête, assez rigolé. Non, cinglé.
peu plus attention. Occupe-toi de tes fesses. Oh, maître, vous vous êtes fait beaucoup. Oh, comment ça va? Bah, les pattes. Comment osez-vous venir nous importuner à Paris moment? Je vais vous le dire. Eh bien, j'ai gagné le championnat des trois provinces. Toutes les meilleures écoles y étaient représentées, excepté la vôtre. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis donc venu vous apprendre à vivre. Apprenez d'abord vous-même! Entendu. Maître, à vous l'honneur. Il n'en est pas question de m'abaisser à ce point. Non, je vaux beaucoup mieux. Il s'occupera de vous. Et en vitesse! Hein? Maître, vous êtes certainement le plus je fort. Sais bien. Oh, ben, vous devez affronter le champion. Eh bien, hélas, ma modestie ne pourrait le supporter. Ah. Après vous, maître. Oui. Tiffy, je vous combattrai ensemble. Concentrez-vous sur sa tête. Tu t'occupes de ses pattes. Là, tu parles. À mon commandement. Comprenez pourquoi je suis le vainqueur du championnat. Attention, ma perruque. C'est fermé. Oh. Je
Maître, par quel miracle êtes-vous là? Quelle bonne surprise! Qu'est-ce que vous voulez? Admirer les performances de nos petits élèves? Ne soyez pas stupide. Je veux me battre et je vous lance un défi. Doucement, pas si vite. Ils sont venus de leur plein gré, je ne les ai pas forcés. Presque pas, non. C'est de la provocation. Je n'y vais pas par quatre chemins. Vous allez payer. Comme il vous plaira. C'est votre dernier mot. Exactement, c'est mon dernier mot, ne vous en déplaise. Qui commence? Un, puisque vous avez tellement envie de vous battre, je suis votre homme, maître. Quand vous voulez. Ah. Ouais. S'il te plaît, laisse-moi me battre. Bien joué! Continuez! Mon Dieu! Un homme, une mauviette, ouais. Maître, laissez-moi m'en occuper. Il va se faire massacrer. Ah, maître, tout ceci est de ma faute. Je suis le seul concerné dans cette affaire. Ah, maître, cet homme est démoniaque. Arrière. Alors, c'est vous le champion des trois provinces? Lui-même, en personne. Ne montre pas que tu connais le kung-fu, sauf en cas de besoin. Tu promets? Le tuer ou quoi? Tu n'es pas content, morveux, viens te battre. Pas moi, non, non. Pourquoi se battre? Non, ne faites pas ça. Je vais me venger. Ça commence à bien faire. Tu es un petit rusé, hein? Quelle méthode de combat? Tu devrais le savoir. La menthe religieuse. Et moi, c'est le combat du serpent! La morsure du serpent! Reculez! Wow, il faut
faut avoir vu ça de ses propres yeux pour y croire vraiment. Je ne voulais pas me battre. Bloqué, je suppose, hein? Ton kung-fu n'est pas mauvais, hein? Mais pas assez performant. Tu manques de stabilité. Alors, tu te déséquilibres? Ça ne suffit pas. Venin du serpent. Oh, le vilain serpent. Ça, trouvez le serpent. Maître, partons. Oh, il est super, hein. On repart à l'autre école. Allez, on y va. Mon cher Sun, il faut que je m'en aille, une affaire urgente à régler. Je t'ai laissé un livre sur la méthode de coup de foudre dite du serpent. Apprends bien toutes les figures et entraîne-toi. Bye. 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 Il est parti. Mais, qui êtes-vous? Bonjour, tu veux retrouver le vieil homme? Oui. Oui, c'est exact. Moi aussi. Ah bon? Pour quelle raison? Et toi, tu as une bonne raison? C'est mon... C'est ton maître. Eh bien, il se trouve que nous sommes de la même famille. Mais il m'a dit qu'il n'avait plus personne. Sauf moi. Vous mentez. Vraiment? Serpent! Serpent! Comme le maître? Ah, mais ça, c'est pas une preuve suffisante. Ah, alors tu es stupide. Je ne mens pas. Tu veux te battre? Je veux bien essayer.
aïe. Oh, arrêtez, mais... Ah, tu ne te débrouilles pas trop mal, mais tu n'es pas assez fort pour me battre. Convaincu? Ou veux-tu d'autres preuves? Ah, certainement pas. Je ne suis pas convaincu. Tu en veux encore? Ça ne me suffit pas. Je vous ai bien eu, hein? Vous êtes un maître, je n'ose pas utiliser toute ma force. Mais je ne vais plus me gêner. Trouvez le serpent. Ah, où? Pas simple, où? Là, quand on y réfléchit. Qu'est-ce que je te disais, mon petit? Pas si facile. N'appuyez pas sur ma tête, non. Bobo, comment arrivez-vous à contrer mes attaques? Réfléchis. Sans cela, je ne serai pas un maître. Votre kung-fu est différent. Ah, c'est parce que tu as encore beaucoup à apprendre. Vous m'apprenez? Demande d'abord à ton maître, hein? Il est parti. Ouais, pour un bout de temps. Et où ça? Il te l'a dit? Non, mais il reviendra, j'en suis sûr. Dans combien de temps? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Maître, quand il sera de retour, je vous le dirai. D'accord. Ne lui dis surtout pas que tu m'as vu. Tu me préviens. Je voudrais lui faire une surprise. Oh, comptez sur moi. Ah, c'est vraiment bizarre. Il est meilleur que le maître. Le bouquin. Ce fumier de chat. Beep!
tue le serpent. Bravo, le chat. Formidable, vieux. Ce serpent s'est bien fait avoir. Tes griffes redoutables, hein? Si je pouvais combiner les griffes du chat et le combat du serpent. Tang était bien renseigné. Il était sûr que le vieux reviendrait. Tai et Chongqing, vous avez failli nous échapper. Maintenant, c'est fini. Nous sommes enfin débarrassés de nos deux ennemis mortels. Eh bien, tu pensais pouvoir me tuer aussi facilement? Non? Raté. C'est pas la peine de m'éventer, c'est pas chaud. Tu es allé? Pas très loin, petit. Oh, tu m'as terriblement manqué, tu sais, Pai. Ah, toi aussi. Viens voir, Sun. Je vous ai préparé du thé. Merci. C'est trop chaud pour Pai. Voilà du thé. Merci bien. Pai, il y a un homme qui te cherche. Hein? Pourquoi? Tu le connais? Je ne vois pas. Dis-moi qui c'est. Reste ici, je reviens. Tu verras bien.
Je viens vous prévenir que mon maître était arrivé. Vous voulez bien me suivre? Allez, venez. Dépêchez-vous un peu. Il m'attend dans la cour de l'école. Mais je ne lui ai encore rien dit. C'est au fond. Paille? Paille! Il était ici. Paille! Attendez-moi! Tu n'as pas tout à fait affaire à un prêtre. Je suis venu ici en vacances et j'adore me battre. Pourquoi utiliser ce déguisement? Parce que je suis payé pour espionner. Nous sommes chargés d'éliminer tous ceux qui pratiquent le serpent. Mon maître s'est servi de toi pour attraper Paille. Le combat a commencé, ton vieil ami n'en a plus pour longtemps à vivre. Espèce de sale porc! Prends garde! Oh, mes belles chaussettes. Enfin, toi, les dés sont jetés. Il n'est plus possible de fuir à présent. J'en ai pas la moindre envie. Personne n'arrivera à me persuader que tu possèdes la meilleure méthode de combat. Tu n'es pas invincible, que je sache. Je l'ai prouvé. Pendant des années, je me suis battu et je suis toujours le plus fort. Aujourd'hui, tout est fini pour toi. Pour qui te prends-tu à la fin? Je n'ai pas peur de toi et je suis prêt à me battre pour te montrer que je suis pas un lâche. Alors, ne perdons pas de temps en vaines discussions. Hey!
alors toujours aussi fier? En as-tu assez? Je veux que tu te relèves. Le serpent va mourir. Vous avez besoin d'une pierre? Vous vous êtes servi de moi. Vous m'avez pris pour un idiot. Il n'en est plus question à présent. Je connais toute l'histoire. On ne peut pas dire que tu manques de courage. Et pourtant, je vais te tuer. Ne le touche pas. Ce n'est pas mon élève. Fiche-lui la paix. C'est exact. Je ne suis pas son élève. Mais il est mon maître. Vos histoires de famille ne me regardent pas et je m'en moque. La seule chose qui m'intéresse, c'est de trouver ceux qui pratiquent le combat du serpent et les supprimer jusqu'au dernier. Uniquement par plaisir? Maître, je crois que cet homme est fou. Non, va-t'en, tu ne peux pas battre cet homme. Tu voudrais que je t'abandonne? Avec cette énergie humaine, ordure! Inconscient, imbécile, ah, tu me provoques. Si tu me cherchais, tu m'as trouvé. Ah, tu penses que tu vas gagner, mais fais attention. Aïe! Absolument pas celle du serpent. Comment l'appelles-tu? Le chat. Toi ici? Je ne savais pas que tu étais aussi fort. Qui t'a appris à te battre comme ça? C'est mon cher maître. Oh, ouais. Sensationnel. Tu vois, je suis encore utile. Pourquoi est-ce que je m'en fais? Puisqu'ils ont bu ce mélange. Autant vous dire tout de suite que le breuvage était empoisonné. Vous n'allez pas tarder à mourir.
Je vous préviens. Eh bien, vous continuerez la lutte sans merci pour l'aigle. Tu ne savais pas qu'on n'aimait pas boire le thé quand il est brûlant? L'échanger. Dis-moi, Soon, tu es formidable. Tu as réussi à combiner le combat du serpent avec la tactique du chat, et ça s'accorde parfaitement. Et pourtant, bien que cette technique surpasse celle de l'aigle, ça ne me déplairait pas de l'appeler griffe du chat. Alors, dépêche-toi de lui trouver un nom. On va l'appeler l'ombre du serpent. C'est très bien, l'ombre du serpent.